Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec Liverpool. Aujourd'hui, premier match de l'Europa League auquel on va affronter le club suédois. On aura également un match de championnat et surtout un match de Carabao Cup face à Arsenal qu'il faudra absolument gagner si on veut continuer. Et pour ce club-là, c'est bien, c'est un club belge. Donc voilà, j'avais dit un club portugais, mais c'est vrai que vous m'avez corrigé dans les commentaires. Donc merci à vous, donc c'est bien, c'est un club belge et pas un club portugais comme je pensais que c'était. Donc voilà, on est parti. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Début de saison, 6 matchs joués, 3 buts, une passe décisive. On n'a pas encore trouvé notre meilleur niveau. Je pense qu'on retrouvera notre meilleur niveau quand on retournera au Bayern ou si on ira jouer au Real, au Barça, je pense, dans un grand club, en tout cas avec des grands joueurs. C'est vrai que pour l'instant, on a un petit peu du mal à retrouver notre niveau depuis un petit moment. Depuis qu'on a quitté le Bayern, tout simplement. Donc, on va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas joué non plus énormément de matchs avec Liverpool. On va essayer de faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Du coup, au niveau de la composition, la voici. Pas trop de changements. Ça reste à peu près la même. Oui, il n'y a pas Salah de titulaire. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais bon. J'aimerais bien jouer un peu avec lui, mais ouais, il le fait pas jouer quoi. Il le fait pas jouer. Allez, c'est parti. Le premier match en plus de l'Europa League qui se joue à domicile, à la maison. Il y a moyen de faire quelque chose. Surtout que normalement, on est. Enfin, c'est pas normalement, on est les favoris. Mais attention, attention, mais. Mais les derniers matchs qu'on avait faits, ils étaient plutôt pas mal. Ils étaient plutôt pas mal. Faut juste que dans mon placement je sois un peu plus axial. Et normalement ça devrait aller, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ça c'est pas mal mais c'est un peu trop fort. Ça c'est pas mal. Si on arrive à se retourner, à se remettre à prendre suite sur le pied droit comme là. Et frappé. Et ben bah ça fait but. Ça fait but. 9ème minute, 1-0. Et bah voilà, on arrive à faire ce qu'on veut. Déjà, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a réussi à se remettre sur le pied gauche. Ensuite, paf, la petite roulette. Et on se remet sur le pied droit qui est bien sûr notre pied fort. Et ensuite, la frappe en espérant que ça rentre. Et voilà. Ça rentre. Comme j'ai dit, je vais tenter vraiment beaucoup plus de frappes. Pas forcément de loin, mais en force. C'est vrai que j'ai tendance pas mal à enrouler parfois et c'est pas du tout ce qu'il faut faire mais plutôt en force. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu. C'est rentré cette fois-ci, ça fait déjà un 0 et déjà un but pour moi. On est rentré dans le temps additionnel. Ils ont le ballon. Ok. Je crois que c'est la première occasion qu'ils ont eue. La plus grosse occasion qu'ils ont eu, ils ont eu en fin de première période. Mais pour l'instant, ça va. Je suis content de ma défense parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal d'erreurs. Ils ont fait pas mal d'erreurs ces derniers temps. On n'avait pas la meilleure défense du monde. Et là, ils ont bien défendu quand même en première période. À moins qu'on se prenne un but là. Mais c'est pas possible, bordel. Arrêtez, les gars. Qu'est-ce que vous avez à prendre un but comme ça, là? Surtout là, en fin de première période. C'est quoi, ça? À chaque fois que Liverpool, que je parle de la défense et que je sens que ça va pas le faire, il marque derrière. C'est fou. C'est fou. Oh, pas mal, ce ballon. Allez, bien fait. Bien fait ça. Oh non, génie. Oh non, 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 non. Bon, est-ce qu'on va avoir l'occasion du deuxième but là? Parce que pour l'instant, c'est pas trop ça. Le petit appel dans le dos, il est pas mal. Moi, j'arrive un petit peu trop tard. Et je me suis blessé en plus. Super. Super.
Oh non, mais je me suis blessé. Putain, je me suis blessé comment là? Oh, ça a l'air d'aller. Hein. Oh non. Est-ce que je vais être remplacé? Non, c'est bon. Ok, c'est pas mal là, cette passe. La frappe? Et les dégagements pas trop académiques de la défense. On va se prendre. Il n'y avait pas forcément trop d'occasions dans ce match. À part la 10e minute où vraiment on a mis le but qu'il fallait. Voilà, on a perdu un ballon. Ok, d'accord. Bon, voilà, là je tire un coup franc. Je serais peut-être pas mieux dans la. Par contre, pourquoi je peux pas mettre la. Putain, c'est moi qui tire le. Putain, mais vous êtes sérieux? C'est vraiment moi qui tire le coup franc comme ça là? Oh dommage. Oh dommage, c'était, ça a été dévié, je sais pas par qui, mais ça a été dévié. Et bah non. Et bah non, match nul 1-1. Clairement c'est dommage. C'est dommage, on se prend encore un but, je sais pas. Bon, on peut voir les autres résultats. Toulouse qui a gagné 2-0. C'est vrai que Toulouse il joue l'Europa League. Le LOSC qui a perdu 2-0. Ok, ah j'ai pas vu, il y a l'AS Monaco aussi qui joue l'Europa League, d'accord, Monaco joue l'Europa League. Bon, on continue, match de championnat ensuite. Alors, niveau classement également, parce qu'on n'a pas fait forcément trop un petit point au niveau du classement, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a urgence aussi, il y a urgence parce que c'est vrai que niveau classement, bah voilà, on a joué 4 matchs, on n'a pas encore une seule victoire en championnat, et on est 17ème, donc là il faut une victoire impérative. On peut voir que Manchester United sont également un petit peu dans le mal. Mais eux, au moins, ils ont gagné au moins un match. Nous, même pas. Allez, c'est parti. Au côté de Mané, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué avec Mané. Marquinhos aussi, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Dans ce stade qui s'appelle, il me semble, le Vitality Stadium. Donc, je crois qu'il a le même nom que bah, la structure Vitality. Par contre, non, là, par contre, je dois donner le ballon là. Petite erreur déjà. Là, par contre, si on se prend un but là-dessus, non, c'est bon. Ok. Ok, on est parti. Ah, c'est ce fameux stade où on va laisser terminer cette action. C'est fameuse. Alors je crois que c'est pas que dans ce stade en fait, c'est une pub de, qui doit être partenaire avec la première ligue. Vous avez vu, vous avez le pub autour là du terrain avec écrit marqué bah, Vitality d'ailleurs, auquel il y a un chien. Oh. Ok. Alors là par contre j'ai pas forcément trop fait gaffe. Je parlais de la pub qui tournait avec le chien. Il y a vraiment une pub avec un chat qui se promène autour du stade là sur les panneaux publicitaires. Par contre, on vient de se prendre un but. Alors attendez. Oh là 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 là. Regarde comment il arrive à brosser le ballon. Ma, ce qu'il lui a mis. Oh, ce qu'il lui a mis. Oh non, j'aurais pas aimé être le défenseur. J'aurais clairement pas aimé être le défenseur. Voilà, ça c'est le genre de mouvement. Par contre, ouais, mais à la finition, voilà, la finition, non, c'est dommage. Mais ça c'était joli, ça c'était pas mal, dommage la frappe. Bon, ce début de seconde période, je sais pas quoi penser. Là. Franchement, je sais pas quoi penser. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est loin de gagner encore notre premier match en première ligue. On va être quoi, la 6ème, 7ème journée? On n'a toujours pas gagné un seul match en championnat, quoi, c'est grave. Va falloir vraiment qu'on joue les matchs de coupe à fond. Parce que là, vu comment le championnat est parti, clairement, on avait loin de part de jouer l'Europe. Et on est encore loin d'être en Premier League la saison prochaine. Ce qui serait quand même une catastrophe. On va dire qu'ils défendent plutôt bien aussi depuis tout à l'heure. Ils jouent bien également avec le ballon en attaque. Alors ça, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ils jouent bien.
Ils sont à domicile. Ouais, le ballon qui est perdu. Ah, allez, là je suis tout seul. Choisis la frappe. Yes! Yes! Ça c'est le genre de but qu'on doit mettre. Ça c'est le genre de but qu'on doit mettre. Et encore une fois, hein, c'était compliqué hein, parce que le joueur qui reçoit le ballon, il fait un mauvais contrôle. Il fait un mauvais contrôle, mais il arrive quand même à la donner. Et ensuite, derrière, là par contre, je pensais que c'était vraiment trop tard. J'ai vu le défenseur tacler, j'ai fait c'est bon, c'est fini. Il va me prendre le ballon. Et au final, ça s'est joué à quoi? À 2 cm. Yes! Nous, on fait notre taf. Mais encore une fois, on va arracher un match nul, quoi. C'est pas possible. Il reste du temps, mais... je pense pas que la victoire, ça sera pour, encore pour aujourd'hui. Allez! Allez! Oh là là! Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. J'ai voulu refaire la même chose, crochet, alors que j'aurais dû frapper. J'aurais dû frapper. Ok. Et bon, on repart une nouvelle fois sans victoire. On a eu une belle petite note, on a eu 8,9. Alors Chelsea qui ont perdu 1-0. Ok. Là on va affronter Arsenal en coupe. Donc là, faut vraiment qu'on gagne en coupe. Parce que vu comment ça se passe en championnat, on va aller faire un petit point au niveau du classement. On ira voir le classement après le match de coupe. Histoire de voir, mais j'ai peur. Hein. Vraiment, j'ai peur au niveau du classement. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, donc faut vraiment qu'on joue les matchs de coupe vraiment sérieux. Parce que si on veut gagner un truc au moins à la fin de la saison... Ah, mais il est stylé le maillot autre de Arsenal. J'ai jamais fait attention. Ou il était pas comme ça avant. Ou il était pas du tout. Ou alors j'avais pas fait gaffe. Ils ont pas changé leur maillot? Non? Il a toujours été noir comme ça? On va les faire jouer en noir. Au niveau de la composition. Ouais, il y a pas mal de petits changements. On a le petit William là. 66 de général au milieu de terrain. Alors la composition d'Arsenal. Ouais, ça. Ah, il y a Lemar, ok. Il y a Lemar du côté d'Arsenal. Oh, ça a pas mal changé, hein. Pas mal. Ouais, c'est un peu quand même. Ok. Donc là, il va falloir, je sais pas trop quoi, à quoi m'attendre, mais il va falloir faire attention à cette équipe d'Arsenal et gagner. Il faut qu'on la joue à fond, cette Carabao Cup et la FA Cup. Les deux, de toute façon. Oh là 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 là. Allez, pour une fois, on a réussi à ressortir le ballon. La tête. Oh là là, il est bon ce ballon. Ce ballon, il est bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, ils font des appels encore une fois. Oh là 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 là, non. Oh là là. Et heureusement qu'il loupe leur... leur occasion, parce que là, la petite talonnade. Enfin, ça passe juste au-dessus. Hein. Bon, on est dans la seconde période, hein, 60e minute, même 62e minute. On est en seconde période, pour l'instant, pas grand-chose. On fait des fautes. C'est. Ah ouais. Et je sais pas ce qu'ils me font, la défense. J'ai jamais vu des. Je sais pas. Ouais, là je sais même pas s'il y a vraiment faute. Enfin, si. Attends, on se retrouve à. Maintenant j'ai un défenseur, il s'est. Putain, mais. Dans toutes mes carrières, franchement, c'est rare qu'un défenseur soit. Enfin, s'est pris un rouge quoi. Maintenant on est à 10 contre 11. À 10 contre 11. Ma défense elle pète un câble. Hein. Alors j'aime bien quand les joueurs ils sont agressifs, mais quand même tranquille les gars. Pas jusqu'au point de se prendre un carton rouge quand même. Oh là là. Oh, on va se prendre. On va se prendre le but tout seul. Les 5 dernières minutes.
pour créer de l'espace. Et 0-0 quoi. Un miracle de Parker avec son pied droit. Non. Je sais pas s'il reste un changement du côté de Liverpool, mais je crois que je vais me faire remplacer. Vraiment. Si ça peut aider l'équipe. Là par contre j'ai de l'espace. Putain mais c'est pas vrai. J'ai pu traverser pratiquement tout le terrain. Et frapper. Et il fallait que ça frappe le poteau. Et derrière il y a le contre. Non. Oh là 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 là. Les équipes sont coupées en deux. Elles sont coupées en deux. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'espace au milieu de terrain. Mais là on n'est pas loin du craquage. Hein. Voilà. Et ouais, ça rentre avec le poteau. Ah c'était obligé hein. De toute façon prolongation, les équipes sont coupées en deux. C'était le premier qui marque, qui aura eu l'avantage. Liverpool toujours mené au score d'un but. Les supporters d'Anfield l'ont bien compris, ils savent qu'ils peuvent participer à faire basculer le match. Alexis Sanchez. Oh quel but, magnifique. Bon, bah c'est fini. Faute. Non. Ok. Bah, ça va partir en contre. Ça va partir en contre et ça va faire but. Voilà. Oh là 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 là, c'est horrible, c'est horrible. T'as 0-0 pour au final on se prenne. Non. Oui, 0-0 pour au final se prendre 3-0. On va aller faire un petit point au niveau du classement. Bon, bah déjà la Carabao Cup, on peut oublier. Faut se dire que ça nous donne peut-être un avantage au niveau du calendrier et on va pouvoir se concentrer un peu plus sur le championnat. On est 15e, on n'a pas gagné encore un seul match. Crystal Palace, qui sont premiers, zéro défaite pour l'instant. Du coup, on a fait un bond de la 17e à la 15e place. Au final, franchement, on s'en sort plutôt bien. Mais pour l'instant, on n'est pas encore en crise. On n'en est pas loin. Et bah là, on a perdu une place. Là, on a perdu une place, donc on est 16e. Ouais, on verra ça. Du coup, voilà, on se retrouvera pour les prochains matchs. Donc, match de nouveau face à Arsenal. Galatasaray également. Et je pense que soit on se fera un match de l'équipe de, avec l'équipe de France, ou soit on se fera deux matchs avec deux championnats, avec le match d'Europa League. Donc voilà, moi je vais jouer ces matchs-là, la Norwich. Et en fait, on va jouer deux clubs qui sont pas forcément très bien classés. Donc faut que je prenne mes points là. Donc je vais pas avoir le choix. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et nous on va essayer de s'en sortir. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, il faut que j'avance un petit peu. Même si je vais pas avancer énormément là, mais il faut quand même que j'avance. Donc voilà, il y a après un peu plus tard, on aura également Crystal Palace, Galatasaray et Manchester United, Crystal Palace qui font un bon début de championnat. Donc voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et nous on se retrouve très très vite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ciao tout le monde.